Véritable symbole de la ville, le Ponte Vecchio, construit en 1345 au-dessus de l'Arno, fut le premier pont de Florence. Les bijoutiers qui l'occupent aujourd'hui ont remplacé les bouchers. Ces derniers ont été chassés du pont, car les détritus rejetés dans le fleuve provoquaient une odeur pestilentielle. Le pont est surplombé par le corridor de Vasari, utilisé par les Médicis, pour relier les Uffizi au Palazzo Pitti. Florence, capitale de la Toscane, a été royaume d'Italie à la fin du XIXe siècle. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi le berceau de la Renaissance, qui présente une très grande richesse artistique, églises, musées, palais, qui attirent chaque année des millions de touristes venus du monde entier. La Piazza della Signoria est l'une des grandes places de Florence. Elle date des XIIe et XIVe siècles. La statue équestre de Côme Ier regarde fièrement la fontaine de Neptune, œuvre de Bartolomeo Ammanati. La fontaine fut construite en 1565 pour le mariage de François Ier de Médicis et de la grande duchesse Jeanne d'Autriche. Le personnage de Neptune est en marbre blanc de Carrare. Il repose sur un piédestal au centre d'une vasque octogonale, décorée par les statues de Scylla et de Charybde. On y perçoit l'influence du maniérisme, avec les chevaux marins, les satyres en train de danser, et les divinités fluviales. Le Palazzo Vecchio, ce palais forteresse, est l'un des plus beaux bâtiments de Florence. La construction du palais débuta en 1299 sous la direction de l'architecte Arnolfo di Cambio. Devant l'entrée, trônent les statues répliques, le David de Michel-Ange et Hercule et Cassius de Bandinelli. La Loggia dei Lanzi, cette galerie en arcade, fut construite entre 1376 et 1382 par Bensedizione et Simone di Francesco Talenti. Elle fut longtemps le symbole de la démocratie florentine, car elle était destinée dès l'origine aux cérémonies et réceptions de la République de Florence. Deux lions en marbre de l'époque romaine sont situés en haut des gradins. De nombreuses statues du musée des Uffizi y sont exposées, tels que le Persée de Cellini, l'enlèvement des Sabines, de Jean Bologne, Hercule en lutte contre le Centaure, de Gian Bologna, l'enlèvement au viol de Polixène, de Pio Fedi. Ainsi que des statues de la Rome antique bordent le fond de la loggia. Or Saint-Michel, cette chapelle doit son nom à Saint-Michel au jardin, ancien oratoire construit en 750, dans le jardin d'un monastère bénédictin. Certaines sculptures de Donatello, Nanni di Banco, Verrocchio, sont placées dans des niches, sur les murs extérieurs. Une visite de Florence conduit immanquablement à Santa Maria del Fiore.
Elle est la quatrième église d'Europe par sa taille. Construite à partir de 1296, par Arnolfo di Cambio, et terminée en 1436, par le dôme de Brunelleschi. Son campanile, commencé en 1334 par Giotto, culmine à 85 mètres. Il est paré de marbre blanc, vert et rose, avec des bas-reliefs, en terre cuite de Pisano. Sa façade néo-gothique, bien que du style du campanile, date de 1871 à 1887. En 1568, Côme Ier de Médicis confie la décoration du dôme à Vasari. L'œuvre du Jugement dernier est achevée en 1579. Si le baptistère Saint-Jean est bâti sur d'anciennes constructions romaines du 1er siècle, sa construction initiale, qui remonte au 4e siècle, en fait un des plus vieux bâtiments de Florence. Rebâti sur un plan octogonal, et revêtu de marbre blanc et vert, et puis rose sur son extérieur. Il est coiffé d'une toiture pyramidale, son rôle de baptistère, est officiel en 1128. Le baptistère possède de magnifiques portes de bronze, ornées de bas-reliefs. La porte sud, fut réalisée par Pisano, entre 1330 et 1338. Il établit des modèles en cire, avant de faire venir des artistes de Venise. En 1401, Lorenzo Ghiberti remporta le concours de la porte nord, organisé par l'Arte di Calimala. Elle est très similaire à celle du sud. Il lui fut confié également la porte située à l'est, autrement nommée Porte du Paradis, ainsi appelée par Michel-Ange, toujours ornée de bas-reliefs. Elle se distingue des deux autres par la forme de ceux-ci et par son effet doré. Le plafond commencé au XIIIe siècle, n'est achevé qu'au XIVe, il est réalisé en mosaïque, représentant le Christ le jour du jugement dernier. De nombreux artistes s'y sont succédés, de Gaddo Gaddi, jusqu'à Cimabue. Les fonts baptismaux de 1371, et le tombeau du pape Jean XIII, qui mourut en 1419, ont été réalisés par Donatello, Portigiani et Michelozzo. Florence comporte une multitude de monuments, palais, musées et églises. La basilique San Lorenzo,
est l'une des plus riches églises de Florence. Par ses œuvres de Brunelleschi, Donatello, Michel-Ange, Bronzino, Verrocchio, Benozzo Gozzoli et Fra Filippo Lippi. La basilique visible aujourd'hui a été édifiée à l'emplacement d'une église consacrée en 393 par Saint Ambroise de Milan. La construction de l'édifice actuel a été entamée en 1424 par Filippo Brunelleschi.